Bien le bonjour, tu vas bien? J'espère que tu vas bien, que tu es de bonne humeur parce que je vois que le pare-brise, pardon, j'ai pas nettoyé le pare-brise et il y a des traces. Tu acceptes quand même d'être avec moi en tant que copilote parce que Cassie, ça y est, elle est derrière. Ouais, tu acceptes. Allez, on démarre de Montargis. Ça a été vraiment un chouette séjour, hein. Vraiment sympa. Sur Montargis encore, je suis allée à leur petite épicerie au camping. Ça va, c'est honnête, ils ont un petit peu de tout. Ils ont du pain qu'ils font, bah, eux-mêmes, hein, des pains congelés qu'ils mettent au four, hein, tout simplement. Ça va, c'était pas mal. C'était bien pour rester comme je suis restée 3 jours, c'était parfait. Allez, on reprend la route. Eh ben oui, nous sommes toujours au Portugal. Je vais essayer de te montrer eh bien, où nous étions. Donc Montargis, tu l'as vu dans la dernière vidéo. Et où nous allons? J'ai envie de continuer bien sûr toujours vers le nord. Et là, on va aller à Fratel. Normalement, c'est une aire de camping-car gratuite dans un tout petit village. Ça m'avait l'air sympathique, les commentaires ont l'air sympas aussi. Il semble que ce soit juste à côté d'une piscine. Donc on ne sait jamais, peut-être que si j'avais la chance que ce soit ouvert, bon, c'est un peu tôt dans le mois de juin. Bon, on va voir. Allez, je te montre tout de suite où nous allons. Nous sommes toujours au Portugal et nous sommes partis de Montargis. Tu vois, sur ta gauche, Lisbonne, sur la droite, Badajoz, pour ceux qui connaissent mieux. Donc, de Montargis, la réserve d'eau, et nous continuons de monter et on va à Fratel. Fratel, j'ai trouvé en cherchant une petite aire gratuite parce que c'est un village, un petit village. Et ça m'a semblé très bien. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie d'y aller. Et comme tu le vois, c'est vraiment tout petit, petit. Au fait, j'ai créé une playlist où dessus, dedans plutôt, je mets toutes mes étapes, tous les spots. Comme ça, si un jour tu es intéressé, que tu vas aux mêmes endroits que moi, et eh ben tu pourras tout de suite voir la vidéo que j'ai faite de l'endroit où j'ai fait une étape, où je me suis arrêtée avec mes commentaires. Ça pourra peut-être t'aider à avoir des idées. Moi j'aime bien quand les gens me disent bah oui c'est comme ci, c'est comme ça, quand ils sont à peu près objectifs sur le matériel, etc. Ils ne se plaignent pas de la météo, des voisins qui ont fait du bruit, un fourgon qui a claqué sa porte, un camping-car parce qu'il a fait des pipi tout autour de son camping-car pour marquer son territoire. Donc quand, ça j'écoute pas, si je rigole. Mais pour les commentaires, point de vue logistique, si jamais les gros camping-cars peuvent pas y aller. Est-ce qu'il y a de l'eau, d'électricité, combien ça coûte? Ça, par contre, j'écoute toujours. Donc, c'est pour ça que j'ai envie aussi de partager ce genre d'informations entre nous. Parce que ça sert toujours. Parce que c'est vrai que sur Park4Night, quand je lis certains commentaires, bah, ça donne pas trop envie de les lire. Ça m'agace plus qu'autre chose. Parce que, comme je te dis, quand j'entends « Ah bah oui l'air, elle est nulle parce qu'il y avait un bébé qui jouait ou qui piaillait. C'est bon, quoi. Laisse tomber. Enfin, bon. Qu'est-ce que je vais te dire aussi? Oui, j'en profite qu'on soit sur la route. Bon, le pare-brise, il a une traînée de vent, pardon. Ouh, il y a un coup de vent, là. Tu dois peut-être entendre le store qui fait du bruit. Et il y a un coup de vent. Oui, nous sommes encore au Portugal.
Donc j'en profite pour te parler de choses quand même pratiques. Le Portugal est un pays qui est sur notre très chère planète Terre, hein, et le Portugal aussi souffre des soucis financiers, c'est-à-dire que tout est en train d'augmenter, que ce soit le gasoil, que ce soit la nourriture, c'est une augmentation générale aussi. Parce que on m'a envoyé des mails pour me demander au niveau financier. Bah écoute, le rapport de la différence entre la Belgique, la France reste et par rapport au Portugal, ça reste le même. C'est-à-dire que c'est certainement un peu moins cher au Portugal qu'en France ou en Belgique ou même en Suisse, mais tout a augmenté. D'accord? Voilà. Bon, je viens de voir le panneau de l'air. Donc, je continue. J'attends un nouveau panneau parce que là, c'est un peu bizarre sur mon GPS. Bon, donc là, nous sommes dans Fratel. Hein, je vais dire, maintenant, je suis très prudente. Par rapport au GPS, hein. Donc là il n'y a plus de panneau, je ne sais pas du tout où il faut aller. Bon, on dirait que. Bon, j'ai pas trop regardé le plan, mince. Bon, il me dit de tourner à droite là. Oula, non, non, ça me plaît pas. Tiens, attends, il y a des gens qui s'arrêtent. Vu qu'il n'y a personne nulle part, je m'arrête, je vais essayer de parler à ces personnes pour leur demander des renseignements, savoir où je peux aller. Voilà, j'écrase personne, c'est bon. Je mets les feux de détresse. Donc je descends, puis je vais leur parler, je vais leur demander. Voilà, elle me disait de tourner à droite. Alors vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. C'est un couple de Portugais qui a travaillé pendant des années en France. Donc, il parlait super bien français. On a papoté un peu, moi au milieu, mais tout le monde s'en foutait. Voilà, tout le monde parlait. On a rigolé un moment. C'est ça qui est rigolo dans cette vie. Peut-être qu'on devrait remercier le GPS. D'être un peu fumette d'herbe parce que ça permet de papoter avec des gens sympas comme ça. Voilà, ils m'ont dit, ils m'ont expliqué où aller et ils m'ont surtout dit de prendre la direction de la piscine. Le monsieur a bien insisté, surtout ne suis pas le panneau de l'aire de camping-car qui n'existe pas d'ailleurs et il y a un seul panneau pour la piscine. Donc il m'a dit où aller, comment faire. Donc je me gêne pas, il n'y a personne. Je me fais un demi-tour en plein sur la rue. Comme tu le vois, j'y vais en douceur. C'est bien, ça te permet de bien voir l'ampleur du village. Allez, demi-tour. Et là, je vais suivre les explications du monsieur et de la dame. Si tu constates qu'il n'y a pas un seul panneau, hein. Rien d'auto. Quand tu as un fourgon, bah bien sûr, tu es peut-être moins, pas stressé, mais moins. Prudent que quelqu'un comme moi qui a un camping-car parce que le fourgon il passe partout. Avec le camping-car c'est chaud bouillant. Hein. Alors, c'est pour ça que je suis extrêmement prudente. Tu vois le genre de petite rue là, il m'a dit non, non, tu passes bien et tout, donc bon, parfait. J'ai suivi les explications. Pourquoi je te laisse avec moi? Parce que tout simplement, si jamais un jour tu as envie d'y aller, eh bien, tu sauras exactement où aller.
Mais t'as remarqué, hein? Il n'y a pas un seul panneau. En tout cas, le paysage est très beau, hein. Enfin, c'est sûr que j'aime mieux ce genre de paysage que la ville. Là, donc je tourne à gauche. Bon, c'est bien la piscine. Il m'a tellement parlé de la piscine. Sa femme, elle m'a tellement dit, oui, la piscine, elle est super et tout et tout et tout. T'as pas de chance, la piscine est fermée. Mais en tout cas, sache que l'entrée, c'est 2 euros pour la piscine. Mais c'est fermé pour l'instant, ça ouvre qu'en juillet. Bon, alors du coup, j'arrive là et je me dis, mais attends, sur Park Fortnite, il parlait de l'eau, de la vidange. Alors je m'arrête, je me dis, bon, ça peut pas être là, c'est pas possible, quoi. Alors je m'arrête. J'ai arrêté le moteur, donc Cassie, elle se dit merde, ça y est, je vais pouvoir descendre. Ben non, non. Il n'y a que moi qui descends. Encore une fois, et hop. Parce que je vois qu'au bout, c'est une sorte de mini route sentier, entre route et sentier, tu vois. C'est pas grave, ça me fait marcher, ça fait du bien. Je vais voir tranquillou de quoi il en retourne.